très rapidement. Nous sommes très contents, nous, au niveau de la CECI, d'avoir co-organisé cet événement. C'était effectivement assez remarquable. L'objectif, comme ça a été dit, je pense, en introduction, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs du territoire se réunissent pour cette première réunion, en espérant que derrière, il y en ait d'autres, sur le même format ou un format différent, peu importe. Ce qui est important pour nous, c'est que cette filière prenne son envol. Et toutes les initiatives qui tournent autour de French Tech vont contribuer à cet envol. C'est aussi pour ça qu'on s'est associé, nous, depuis le début à French Tech. Lorsque Jean-Pierre est venu nous voir il y a quelques mois, on a dit banco, on y va d'office. Et donc, on a décidé d'accompagner la métro dans cette opération, parce que c'est une opération territoriale, c'est une opération d'envergure. Il est important pour nous que l'ensemble de la filière digitale, numérique sur le territoire puisse effectivement bénéficier de l'apport de tous. Et donc, la CECI de Grenoble, en tant que maison des entreprises, se devait d'être aux côtés du monde économique de cette filière et donc de lui donner des moyens. Et si vous êtes ici, c'est pas pour rien. Ça fait partie des moyens qu'on peut mettre à disposition de la filière. Pas que, puisque vous savez très bien qu'on a aussi pas mal d'autres dispositifs d'accompagnement. Mais au moins, c'était symbolique de faire en sorte qu'on organise cette première réunion ici. On se retrouvera demain, puisque dans le cadre de French Tech, nous allons nous aussi co-organiser le fameux barbecue numérique. Donc on sera présent demain et on aura plaisir à vous y rencontrer. Et effectivement, parler d'autres produits qui peuvent vous intéresser, d'aide à vos entreprises, quels que soient les sujets. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour ça, on est là pour vous, pour vous aider et pour aider au développement de cette filière, comme bien d'autres. Merci. Merci Dominique. Merci aussi à donc tous nos partenaires stratégiques, beaucoup sont dans le numérique. Je crois que c'est un des premiers événements aussi qui arrive à fédérer autant d'organismes associatifs, surtout numériques, et locaux et régionaux. Merci à nos sponsors, argent et bronze, dont les noms apparaissent. Sans tous ces acteurs-là, ces journées n'auraient pas pu, bien entendu, se tenir. Remerciements de nouveau à tous les intervenants et animateurs que vous voyez apparaître par ordre d'intervention. Pour les participants professionnels, rejoignez-nous. Plus nous aurons de membres, plus nous serons représentatifs vis-à-vis notamment de ce nouveau cluster régional qui va se créer. Et puis, plus la dynamique effectivement au sein de l'association sera importante avec des échanges entre professionnels. Si vous êtes des cadres informatiques, n'hésitez pas à aller sur le site de Grilog. Vous avez une page qui est dédiée avec l'ensemble des possibilités d'accéder à des professionnels, de déposer en ligne vos besoins informatiques qui leur sont transmis, de pouvoir sélectionner des formations, enfin des réponses à vos besoins logiciels ou services. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre attention à tous et je vous souhaite un bon cocktail et une bonne navigation numérique sur grilog.fr.